Salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je vous emmène bosser ici en Bretagne, à Bédé, aux portes de Rennes. On va bosser chez Lost, le groupe Lost, spécialiste de la charcuterie, des plats traiteurs. Dans le précédent épisode, Riton vous a fabriqué cette délicieuse terrine. Aujourd'hui, on va l'expédier en compagnie de Gurvan. Salut Gurvan. Salut Jerry, ça va? Bah super, et toi? Très bien. Alors explique-moi ton job ici, c'est quoi? Alors moi du coup, je suis agent de quai, je m'occupe de tout ce qui est expédition ici. Ok. Et donc voilà, aujourd'hui on va travailler ensemble, je te remets ta blouse de travail. Eh ben moi je te remets le carton. Super. Et on est parti? Allez. C'est parti. Oh dis donc, il fait combien ici là? Bah ici il fait 4 degrés. 4 degrés, c'est un grand frigo. Quoi. C'est ça, ouais. Immense frigo même. Ah bon, on se réchauffe vite quand même. Alors explique-moi ce que tu fais ici. Moi je m'occupe du coup de la partie expédition, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça va consister en faire des palettes homogènes. D'accord. Et une fois que les palettes elles sont homogènes, je les scanne, je les filme et je les mets dans un endroit pour qu'après on puisse les servir le soir. Tout simplement. C'est ça, tout simplement. Bah, moi aussi je vais les filmer mais avec ma caméra. C'est ouais. Ça, bah, tu verras, c'est presque pareil. Ok. Et alors les palettes, elles ont été faites par qui avant? Par du coup les palettiseurs, ça s'appelle, donc c'est les personnes qui sont là pour mettre sur palette. D'accord. Pour déjà les trier. Une fois qu'elles sont triées, c'est moi qui viens les, on va dire, les finir de monter, qu'elles soient très bien pour rentrer dans le camion. C'est un Tetris quoi. C'est ça, c'est un Tetris géant. Ok. Et alors les colis, ils ont été faits par qui? Ils ont été faits par les préparateurs de commandes, du coup. Donc tes collègues en amont. C'est ça. Ah, donc c'est toute une chaîne. Ouais. C'est ça, exactement. Vous êtes tous interdépendants les uns voilà, des autres. Quoi. C'est ça, on ne peut pas bosser sans les autres. Bon, et toi, tu commences à quelle heure le matin? Moi, j'arrive à 9h le matin. Le soir, je pars un peu plus tard, entre 18h30 et après, bon, ça peut monter jusqu'à 20h, 20h30. Moi, je suis là pour attendre les derniers camions qui arrivent. Et du lundi au... Du lundi au jeudi. Le vendredi, on travaille que le matin. Non. Si. Et ça, c'est bien. C'est bon, ça. Une semaine sur deux, on travaille pas le vendredi, en plus. T'as 3 jours de week-end, c'est une semaine sur deux. Ouais, ça, c'est bien. Je signe tout de suite. Ah bah viens, avec plaisir. Bon, alors, c'est mon outil. Ça, c'est ton outil de travail. Voilà. Ok. C'est parti. Allez, je vous scanne. Chut. C'est parti. Voilà, transpalette. Voilà, mon outil de travail. Et si moi, j'ai pas le CACES? Eh ben, on va faire une formation interne. Tout simplement. Combien de temps? Une demi-journée. Ah, une demi-journée? Ouais, c'est ça, ouais, c'est rapide. Parce que moi, ça a toujours été l'horreur, le transpalette. Eh ben, tu vas voir, on s'habitue très vite. Là, t'avances ici, et puis il faut jauger, tout simplement. Ah, ok. Allez. Bon, alors, la ligne droite, ça va. Et je prendrai le reste alors. Et vous êtes combien ici dans l'atelier? Ici, on est une petite quinzaine, entre les palettiseurs et bah, du coup, les agents de quai. Là, voilà la palette? C'est celle-là. Je vais tout doux. Et là, tu braques à fond, là. Doucement. Non, top, l'autre côté, ça passe pas. On est pas bien, là? Ça va. Oh, punaise. Maintenant, plus qu'à la montée. La montée, c'est-à-dire? Eh bah, regrouper les deux palettes pour avoir une grande, histoire de gagner de la place dans le camion. Et galette de pommes de terre. Ça, c'est pas mal. Regardez ça, la galette de pommes de terre. Si c'est pas bon, ça. Bon, Igor Van, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ton job? Moi, ça va être le travail d'équipe et le dynamisme. J'aime bien que ça envoie. Alors après, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, ça va être de l'amener vers la filmeuse, la scanner, la filmer, et puis après la ranger. Sans la renverser? Exactement. Et c'est là qu'on voit si on a bien fait notre job. C'est ça. Donc je scanne tous les colis un par un. Faut pas en oublier, quoi. Ah, exactement. Allez, c'est parti. Donc toi, ça fait combien de temps que tu bosses ici, Gurvan? Moi, ça fait 1 an et demi que je suis ici. Je suis arrivé ici en intérim, un petit peu comme les 3/4 des gens ici. Et t'as fait quoi comme études? Moi, du coup, j'ai fait un BTS NDRC pour travailler dans le commerce. Et je suis arrivé ici et puis j'ai signé un CDI. Pour la première intérim, c'est plutôt pas mal. Bah génial, ouais. Bravo. Mais si on t'avait dit un jour que tu bosserais sur une plateforme logistique... Je pense même pas que j'aurais cru au début parce que j'étais pas trop destiné à faire ça par rapport à mes études. Bah ouais. Mais au final, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, ça te plaît? Ouais, c'est pas mal. Mais tu te vois où demain? Peut-être évoluer dans l'entreprise et puis peut-être responsable de l'expédition ou même plus, on sait jamais. Bon, on la filme? Bah, il en reste encore un côté. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Donc, faut quand même être organisé. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, logique un peu, non? Ouais, bah beaucoup de logique. Et puis, être dynamique. Ouais. Parce que si on reste à ce niveau-là toute la journée, on va finir très tard. Ah ouais, là, je vais pas assez vite, quoi. Ah bah là, faut... Attends, il me chambre. Faut mettre la seconde. Bon, et tu goûtes des fois ce qu'il y a dans les colis, non? Pas dedans, mais des fois ils nous donnent des petits colis. Donc, c'est quoi ton produit préféré chez Lost? Le saucisson ici. Ah ouais? Ah bah c'est un classique. Ah, le saucisson ici est vraiment pas mal. Ouais, la question elle se pose pas ici. Ah, le saucisson. Saucisson d'ici surtout. Intérim, puis CDI. Bon Gurvan, on est à quel stade là? Ah là on est au stade de l'apéro là. Ah bon? Go stade René. C'est ça. J'ai le droit à mon saucisson. C'est bon, c'est l'heure. Allez, merci en tout cas pour la découverte de ton job. Avec grand plaisir. Ouais, c'était sympa. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici dans l'équipe de Gurvan, n'hésitez pas, postulez, Lost recrute. Et quant à moi, je vous dis rendez-vous dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Gurvan, likez la vidéo. Et abonnez-vous. Et mangez du saucisson.